appuyé encore. Allô? Allô, papa? Oui, Samuel. Mais papa, je peux te dire un truc? Qu'es-tu? Tu es déjà sorti à l'école? Dis-moi. Papa, habille-toi bien, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, habille-toi bien. Pourquoi? Tu es avec qui? Oui, je viens avec mon prof de gym, j'arrive. Et l'enfant, tu as déjà quitté l'école? Au moins, tu es venu à la maison, tu as route, tu m'appelles pour me dire que je m'habille bien. Oh. Attends, Samuel. Je suis avec mon prof de gym. Attends. Allô, papa? Allô, papa? Quoi? Allô, papa? Tu as dit quoi? Tu viens avec ton professeur de gym à la maison. Oui, j'arrive, papa, avec mon prof de gym. J'arrive. Papa, je veux pas qu'il vienne, il remarque quelque chose. Papa, s'il te plaît. Il vient faire quoi à la maison? Il a été chez les parents de mes amis. Habille-toi bien, s'il te plaît. C'est quelle histoire que tu apportes ton professeur à la maison? Tu commences à me commander et en route qu'il faut que je m'habille bien. C'est quoi? Papa, je te dis de t'habiller bien. Mais l'histoire est bien habillée, Samuel. Je ne manque pas de suite. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas me trouver. Papa, comporte-toi bien devant lui. Et d'abord, tu dois bien t'habiller, s'il te plaît. Oui, que je m'habille très bien. C'est quoi ça? Ton professeur, il vient à la maison, c'est pour me contrôler? D'abord, tu m'as même pas informé en quittant la maison que tu viens avec ton professeur. Maintenant, tu m'appelles en route, tu me dis que tu viens avec lui, mais il faut que je m'habille bien. Papa, ne me mets pas à la honte comme mon professeur il vient. Ça veut dire quoi ça? Hein? Moi, je suis bien habillé. Je suis à la maison, Samuel. Regarde. Je suis bien habillé. Vous êtes où? Vous venez? Comporte-toi bien. Samuel, s'il vous plaît, je suis en train de faire à manger. Je risque de faire ma mamie brûler. Au revoir, papa. Normalement, c'est moi qu'on doit appeler à l'école. C'est pas qu'il va amener le prof à la maison. Moi, je ne comprends pas son prof. Le prof de gym. Hey! J'ai changé, il faut que je sois propre. Ça, c'est foutaise dans ma maison. Ça ne peut plus marcher comme ça. Samuel ne peut plus amener son prof de gym pour venir me contrôler dans ma maison que je dois bien habiller. Ça, c'est foutaise. Je suis bien. C'est quoi ça? Je suis chez moi, je dois habiller comme je veux. C'est elle qui doit m'appeler à l'école. Je comprends rien. Thank you.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Désolé. Ça va? Ça va, et vous? Bien. Yeah. Samuel, amène ton maître, t'asseoir. Monsieur, désolé, venez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonne arrivée. Vous voulez un verre d'eau? Ok, merci, merci, merci. Monsieur, je ne sais pas si tu as désinfecté ta main. Nettoyez pour le corona. Papa, laisse-le! Quoi? Désolé, monsieur, mon père il parle de désinfectant parce qu'en fait le corona est encore là. Ah d'accord. Voilà, corona, c'est pas encore papa, fini. Laisse-le. Il ne faut pas que quelqu'un vienne à la maison comme ça. Il fallait lui donner le truc. Mais papa, laisse-le. Amenez-moi, s'il vous plaît, le désinfectant. Oui, monsieur. Non, papa, donne, parce que maintenant, tu vas mettre une grande. Merci, Samuel. Samuel, je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, tu ne dois plus l'élever. C'est normal quand tu je ne sais pas où ton professeur vient. C'est normal si tu amènes quelqu'un. Mais papa, il vient juste de la gym. Oui, mais vous devez désinfecter la main. On ne dit pas désinfecter déjà. Il a déjà désinfecté ses mains avant de venir, papa. Et en plus, il a même désinfecté ses mains à la gym. D'accord. Ok, Samuel, tu vas venir là. Ça va, monsieur, ça va. Oui, je suis désolé. Non, pas grave. Tout ce que tu viens, tout. Avant d'y arriver là, j'étais quand même un peu faim. Bon, je voulais manger. Et mon papa va me mettre la honte devant mon prof de gym. Ça va, Samuel, à l'école de gym? Papa, laisse-le tranquille. Oui, monsieur. Samuel, à l'école, le gym, il travaille très bien parce que mon fils, j'ai confiance en mon fils. Samuel. Désolé, monsieur. Papa, tu peux venir quelques minutes? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Excusez-nous. C'est quoi ça? Pourquoi tu es fâché comme ça? Tu ne veux pas que je parle avec ton prof? Tu es fâché juste comme si moi j'ai fait mal. Tu es venu avec lui à la maison, mais c'est pas ça pour que je parle avec lui. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? Je n'ai pas le droit à parler avec ton professeur. Tu ne vois pas le comportement que tu es en train de faire? Je fais quoi? Je fais quoi, mon frère? J'ai mal parlé à lui. Tu me fais honte devant mon professeur. Je te fais honte devant ton professeur? Papa, je t'avais dit qu'il est parti dans la maison de tous mes amis. Et leurs papas ont été responsables. Hé, hey, Samuel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi, tu es là, tu fais un ton. Oui, mais on lèche pas Samuel comme ça. Puis après, on gratte ce pépette. Mais Samuel, je n'ai pas gratté beaucoup, j'ai seulement fauté. Vous venez, je suis en train de manger. Normalement, je suis sous mes doigts. Je suis à la cuisine, je ne peux pas. Mais papa ne me touche pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Je fais quoi maintenant? Allons, il a quelque chose à nous dire. Mais papa, s'il te plaît, fais preuve de sagesse. Okay. Comme un papa responsable. C'est pas possible ça. C'est quoi comme ça? Hein? Un papa, il n'arrive pas à se comporter?
C'est quoi ça? C'est quel genre de comportement qui va donner à son fils? Jamais vu ça, j'ai jamais vu des trucs comme ça. Ouais, écoute ce que mon professeur de gym va te dire et tu parleras après quand il aura fini. Ok, je peux lui donner un peu manger le foufou. Il va manger. Il aime pas le foufou. Je sais comment je vais faire. Papa, il aime pas le foufou. Laisse-moi, je sais bien. J'ai compris, j'ai compris. Désolé, monsieur. C'est pas grave, Samuel. C'est toi qui as mis l'eau? Ben, au fait, monsieur, je suis là. Désolé. Allez, très bien. Juste remarque. Ça va, Samuel? Au fait, monsieur, oui. Moi, c'est le professeur de gym de oui. Samuel. Et ma venue ici, c'est pour vous faire part d'un problème très très grave. Un problème que je n'arrive pas à comprendre. Et j'aimerais savoir quel est le véritable problème avec vous. Oui. Monsieur, oui. Au fait, je suis venu vous demander ce qui ne va pas avec vous dans cette maison. Parce que Samuel a son établissement. Au fait, monsieur, oui. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mm-hmm. Parce que Samuel, il n'a pas de matériel de travail. Mm-hmm. Samuel, il n'a pas de matériel de travail. D'accord. À l'heure de gym, il n'arrive pas à se vêtir. Et je ne comprends pas, monsieur. Mm. Moi, nos soucis, c'est de mettre les enfants bien. Oui. Et que les enfants aient tous les matériels. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi-même, j'avais. Je comprends ce que tu dis. Monsieur, Samuel n'a pas de matériel de travail. Il n'arrive pas à se vêtir. Il manque de vêtements pour se vêtir lors de la gym. Hein? Avec ses amis, ses camarades sont là, ils sont bien vêtis, mais Samuel, il ressemble à rien. Monsieur, j'espère que c'est à vous que je m'adresse. Oui. On est d'accord? Oui. Ben voilà. Il faut trouver une solution parce que je ne sais pas. J'aimerais savoir ce qui ne va pas. Depuis, votre enfant risque d'être renvoyé. Yeah. Ben oui. Il risque d'être renvoyé. Mais... parce que votre enfant manque de matériel. Il manque de shorts, il manque de tennis, il manque des protèges tibias, des protèges tout. Monsieur, il n'a pas tout ça. Ben oui, vous êtes désolé. Papa, il faut les chaussures, les shorts et le haut. Monsieur, il est désolé. Mais Samuel, il a beaucoup de chemises. Des chemises. Tu vois? Oui, mais c'est pas ce genre de chemise. Que je n'ai pas bien. Il a beaucoup de ça à la maison. Oui, mais c'est pas ce genre de chemise. Il faut des comme ça, mais sans le bouton. Voilà. C'est tout noir. Voilà. Et tout blanc. Voilà, monsieur, prenez soin de votre fils. C'est pas compliqué. Mais quand même, monsieur, c'est pas compliqué. Je suis désolé. Mais quand même, on est où là? Je suis désolé. Monsieur, de toutes les façons, je vous donne 2 jours pour qu'il ait tous ses outils de travail. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Oui. De toutes façons, j'espère que mon message est passé, monsieur. Oui, j'ai bien compris. Sinon, votre fils va être renvoyé de l'établissement. Et là, on ne rigole pas, on est rigolo là-dedans. Non, je t'ai promis, mais monsieur, professeur. Papa, en fait, il faut le pantalon et les chaussures et le short. Ben voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Oui. C'est pas compliqué, monsieur. Je suis désolé. Je t'ai promis que cette fois, c'est 15 jours avant qu'il vienne. Il a dit 2 jours. J'ai dit 2 jours. 2 jours, pas plus, pas moins, 2 jours pour avoir tous ces vêtements et tous ces outils de travail. Parce que j'ai que les chaussures de gym. D'accord. Papa, il a dit... Mais ça, c'est pas facile. Mon propre fils, il part à l'école, il n'arrive plus à faire les gym devant ses amis. Mais c'est grave, monsieur, c'est grave. Ça me fait tellement honte.
Papa, il n'a pas dit de pleurer devant lui. Il a dit monsieur, amener monsieur, juste les affaires de Jim. Ne pleurez pas. Et le haut. Nous, de notre côté, on fait notre travail. C'est de s'assurer que les enfants se portent bien à l'établissement et qu'ils font tout ce que la directrice, tout ce que la direction demande. Vous comprenez? Ok, monsieur, je peux, je voulais. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, oh, d'accord, c'est à moi ça? Oui. Ah, désolé, monsieur, je mange pas. Tu manges pas? Non, c'est gentil, désolé. C'est encore chaud? Non, monsieur, ne vous dérangez pas. Je mangeais tout à l'heure avant de venir, donc ça va pour moi. Tu es sûr? Très sûr, même, ça va pour moi. Ok, d'accord. Merci. Samuel, ton professeur n'aime pas manger. Qui? En fait, il a mangé. Ok. Tu as aimé? Alors abonne-toi ici, comme ça tu vas pas rater plein de mes vidéos. Moi j'aime bien quand vous regardez toutes mes vidéos, ça me rend content. Donc abonne-toi ici, tu vois le bouton là? Il est en bas.